partie de la majorité. Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple est parti de la majorité. Cet exercice pas très facile, parce que cela déterminera la suite, notamment votre élection ou votre non-élection comme président de l'UDPS. Vous êtes en face de deux journalistes. Nous avons voulu avoir une femme et un homme. Nous avons Paulette Kimuntu qui n'est pas présentée. Et c'est lui qui vous parle aussi. Nous avons également deux confrères, une femme et un homme, qui interviendront dans le débat pour une ou deux questions. Il s'agit de Rachel Kitita et Daniel Safou. Nos candidats sont là. Nous avons à l'extrême gauche Paul Tchiloubou, c'est un ancien de l'UDPS. Un jour, il m'avait dit qu'il aimait les dents. Il a déjà assumé beaucoup de responsabilités, notamment secrétaire national chargé de la communication. Il a adhéré dans l'UDPS depuis 1990. Et avant d'être candidat, il fut coordonnateur de la table ronde. Juste après lui, il y a Guy Bao, quinoa de naissance, dans l'UDPS depuis 1990, parlementaire debout pendant un long temps, mais également secrétaire national chargé des commerces. Le suivant, c'est David Moukeba,
David Moukeba est dans l'île de Pesse depuis 1988, parlementaire debout. Et dans sa fiche narrative, il avait dit arrêté plusieurs fois. Il a été président IDPS au niveau de l'IBTP. Nous vous faisons grâce d'autres détails. Et enfin, Félix Tshisekedi, qui est actuellement secrétaire général adjoint. Il a été élu. Et il a aussi géré le rassemblement, gère le rassemblement comme président. Alors on se limite là pour la plantation parce que vous le connaissez très bien, mieux que nous les journalistes. Alors, cher candidat, vous prétendez devenir demain président de l'IDPS. Nous allons débattre autour de 5 thématiques, notamment l'organisation du parti, la gestion des finances de l'IDPS, l'unité, cohésion et gestion des conflits, la diplomatie et enfin la vision pour la jeunesse et la promotion de la femme. Mais la première question concerne l'organisation est la suivante. Si demain on vous élisait président de l'IDPS, nous commençons par Paul Tshilombo. Si demain, au lendemain du congrès, vous devenez président de l'IDPS, par où allez-vous commencer? Vous avez 2 minutes. Écartez-vous de là. Ouais, merci, monsieur le journaliste, pour votre question. Demain, Paul Tshilombo, président de l'UDPS. Si je suis élu président de l'UDPS demain, la première chose que je ferai, c'est d'abord l'évaluation de l'exécutif actuel. Je demanderai à tous les membres de cet exécutif de me présenter un bilan de leurs activités depuis qu'ils sont en fonction. Et ce bilan nous permettra maintenant de voir quels sont les secteurs de notre parti qui ont bien marché et les secteurs qui n'ont pas bien marché. La deuxième décision la plus urgente que je prendrai, je mettrai sur pied la commission électorale permanente du parti. Parce que il y a les enjeux électoraux qui nous attendent et nous estimons que c'est l'une des urgences de notre parti. Troisièmement, je vais décréter une amnistie pour tous ceux qui ont été dans notre parti, qui ont été exclus ou pour lesquels on avait constaté leur auto-exclusion. Je mettrai sur pied une commission qui va analyser cas par cas afin de pouvoir réunir notre parti. Ça, ce sont les mesures les plus urgentes que je prendrai. Voilà, je vous remercie. Alors, monsieur Guy, même question avec vous. Par où allez-vous commencer? Je récompense. Merci beaucoup. Dès que monsieur Guy Baou sera élu président du parti,
je vais commencer par la désignation des secrétaires généraux, ensuite de toutes les équipes. On va le membre de la CDP, la convention. Ça, c'est la priorité des priorités. Tous les responsables du parti qui seront désignés conformément à nos textes. C'est-à-dire, ce sont des animateurs qui doivent répondre aux critères d'engagement, d'expertise, de disponibilité et de combativité. Nous allons commencer par là parce que nous avons fait un état des lieux. Le parti a un problème de fonctionnement. Le problème est lié à la gestion, à un problème de leadership. Donc il faut confier la gestion du parti aux mains des vrais combattants qui répondent à ces critères. Nous allons commencer par là. Et c'est du sommet à la base. David Wokiwa, vous avez la même approche aussi? Merci pour la question. David Boukeba, élu président du parti aujourd'hui, je commence par mon discours programme qui va déterminer qui je suis, ma façon de faire, mes approches, de manière à ce que non seulement les dirigeants qui seront élus, les dirigeants qui seront désignés, mais également les combattants aient une connaissance de la personne qu'ils ont élu, comment est-ce qu'il attend faire, l'ordre qui le caractérise, la discipline, et ainsi de suite. Après que les combattants et les différents cadres du parti s'est imprégné de ma personne, je m'attaque à la redynamisation du parti qui comprend bien entendu tout ce qui a été faible, par la comptabilité de ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, et ainsi de suite. Aussi soit dit en passant, pour terminer, que l'unité du parti va caractériser ma démarche, je donnerai un signal fort pour que les gens comprennent que je suis un candidat de l'unité, mais qu'en même temps, cette unité-là passe par une analyse approfondie de la question par une commission afin de nous donner des orientations qui vont, n'est-ce pas, devoir nous orienter quant à la suite. Félix Chibidi, comment, par où allez-vous commencer directement lorsque, si jamais vous êtes élu président? Bien, merci. La priorité, je la mettrai sur l'objectif premier de l'UDPS, qui est de prendre le pouvoir et d'instaurer un état de droit. Et comme vous savez, cette année. Comme vous le savez, cette année est une année électorale. C'est au cours de cette année que l'UDPS va vraiment connaître la consécration de toutes ces années de lutte. Et donc, il faudra mettre le parti en ordre de bataille. Comment? D'abord, par un audit de tous les comptes, pour voir à quel niveau nous sommes financièrement et quelle est la potentialité financière que nous avons. Parce qu'il faut compter d'abord sur nos propres moyens. Ensuite, il faudrait faire un état des lieux pour voir dans quel secteur le parti est-il fort, dans quels autres il est faible. Et donc, essayer de pourvoir à cela. Après cela, il faudrait chercher les moyens, parce qu'un parti politique ne se finance pas seul. Nous sommes le principal parti, que ce soit de l'opposition ou de ceux qui sont au pouvoir au Congo, et nous sommes un parti qui a de l'avenir. Évidemment, il peut intéresser beaucoup de partenaires étrangers dans une sorte de partenariat qui ferait qu'il nous aiderait à accomplir nos projets, nos intentions, et et nous, en revanche, évidemment, on donnerait des marchés aux uns et aux autres, leur permettre d'investir, évidemment, leurs moyens, afin qu'ils donnent de l'emploi et qu'ils fassent marcher pour prospérer l'économie en République démocratique du Congo. Donc l'accent, je le mettrai principalement sur la préparation des élections
et surtout la victoire au bout de cette élection. Alors, on est en train de parler, c'est comme si vous avez presque la même vision. Vous reconnaissez d'une façon implicite qu'il y a des choses à régler. Nous reviendrons sur les finances avec l'audit. Mais restons pour cette administration. Est-ce que l'image de la gestion administrative de l'UDPS aujourd'hui, cette image peut-elle être rapportée au niveau national si jamais l'UDPS prenait le pouvoir? Nous commençons par qui? Oui, il y a une petite nuance. L'UDPS a des problèmes d'organisation, principalement parce que nous sommes un parti qui affronte la dictature. Pendant plus de 30 ans, nous n'avons jamais évolué en tant que parti politique, tout simplement parce que nous avons subi la répression. D'ailleurs, les événements malheureux, nous avons perdu des êtres vivants dans notre permanence. Un parti qui perd et les membres et les archives, et l'administration voulait avoir et être content de ça. Nous sommes un parti en lutte. Donc nous avons un problème d'organisation parce que nous sommes réprimés à tout moment. Donc la différence serait qu'il faut faire la période électorale à l'île, nous espérons l'adversaire en face va se plier aux exigences démocratiques pour que nous puissions nous organiser. C'est au moment où nous serons au pouvoir que nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables. Parce que pour faire plus de 3 décennies dans un pays africain subsaharien comme le nôtre, il faut vraiment être grand. Et nous le sommes. Parce que vous avez même pour le dire que lui. Bon, je suis en train de dire que l'UDPS c'est un parti par contre qu'il faut absolument féliciter parce qu'au regard de tout ce qu'il a connu par rapport à toutes les dictatures qui se sont succédées dans ces pays, un autre parti qui ne serait pas mieux implanté disparaîtrait déjà. Mais que l'UDPS tient juste aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas question ici de dire que l'UDPS a manqué d'organiser le parti, mais il a beaucoup plus subi. Mais qu'on verra de tout ça, il a pu résister et qu'une fois qu'il a fait son pouvoir, je pense qu'il va prouver autant qu'il a résisté, autant il peut demeurer pendant longtemps au pouvoir. On a l'impression, le candidat Félix, que tout membre de l'UDPS a toujours envie de rencontrer le président. Il peut quitter Ndaga, Tchamou, très loin, voir le président. Quel lien y a-t-il entre fédération et le président? Est-ce que les fédérations sont-elles un atout pour l'UDPS? Ou c'est simplement une figuration? Et comment l'administration pourrait se faire pour que celui qui est à la base, toute solution à la fédération, le devoir, au lieu de faire les plus. Bien, merci. Mais si vous permettez, je vais essayer d'aller vite. Je veux quand même, à la suite des amis, faire la même chose, essayer de répondre à leurs questions. Et je suis totalement d'accord, je m'inscris vraiment dans ce qu'ils disent. Mais je rajouterais qu'il y a 2 phénomènes qu'il faut observer dans le combat de l'UDFS. Il y a le phénomène interne qui a été sérieusement secoué par toutes ces dictatures. Il ne faut pas oublier qu'à plusieurs reprises, notre siège a été attaqué et pillé, mis à sac. Nos documents, nos archives détruites, etc. Donc, il faut le prendre en compte. Ensuite, il y a aussi la situation générale dans le pays. Le pays, aujourd'hui, est au bord du gouffre. Ce n'est pas du fait de l'UDFS. Donc c'est aussi un défi à relever par rapport à ça. Et pour moi, le remède dans mes projets, c'est évidemment la formation de former nos cadres à la situation réelle du pays. Et justement, c'est dans cette formation, vis-à-vis de la gestion de la chose publique, mais également de la chose du parti, que je peux répondre à votre question. Lorsque nos cadres seront bien formés, les présidents, déjà à commencer par celui de la cellule, vont comprendre qu'il ne sert à rien d'aller chez le président national parce que tout se gère à partir de la base. Et la base, la cellule est la mère même de notre parti. C'est de là que commence la vie du parti. Et donc, c'est par des formations, par toutes ces orientations, de manière qui sont dispensées de manière continue, que nos cadres seront formés et aguerris
et pourront justement faire face à ce genre de choses. Ceci arrive évidemment partout, on le voit, il n'y a pas qu'à l'UDFS, c'est une culture qui est propre au Congo, le clientélisme, et bien cela, nous allons le combattre. Vous allez vous déborder. Oui, je m'en excuse. Voilà, bonjour à tous les candidats et bonjour à tout le monde. Vous êtes là, vous voulez être le successeur d'Étienne Tshisekedi. Je crois qu'on est peut-être Paul et Tamérite. Moi, je voudrais bien savoir, vu l'actualité, je suis journaliste, désolé. Je vous attaque. Êtes-vous congolais, vous tous, c'est que vous êtes là. Parce que nous ne voulons pas que demain, on se réveille, on nous dit que Paul Tshilombo est français, il y a des problèmes, que Guy Boa, Mao, et italien, on ne sait pas, que David Moukeba est espagnol et que Félix Tshisekedi est belge. Dites-nous aujourd'hui, êtes-vous réellement congolais avant de tout commencer? Tout commence par là aujourd'hui, nous ne voulons pas de problème demain avec ce grand parti. Ok, merci Madame Paulette. Je vais répondre à votre question. Mais apparemment, la question précédente, moi je n'ai pas répondu. Je voulais réagir. Vous avez réagi? Oui. Bon, moi je suis congolais. Sûr? De naissance, et je suis fier de l'être. J'ai vécu à l'étranger pendant plusieurs années. Je n'ai jamais changé de nationalité. Je n'ai jamais... Congolais, de père et de mère. Mon père était aussi un ancien cadre de l'IDPS, M. Jean-François Ebamou, secrétaire général. C'est bon, nous ne voulons pas les dossiers demain. Hein? Je suis un Congolais pur sang et je ne partage aucune frontière avec d'autres pays. Comme mes prédécesseurs, je suis congolais, plus que jamais congolais, de père congolais et aussi de mère, parce que, et en plus de mère, je suis très congolais. Ma mère a plusieurs femmes mariées à une congolaise d'origine, elle est de France, elle est congolaise d'origine, de Bukavu. Donc je suis vraiment congolais, j'ai des neveux qui sont de l'Équateur, du Sankourou, du Bas-Congo. Il n'y a pas plus congolais que moi. Devoir de mémoire, donc en 10 ans, tout ça restera. Donc devoir de mémoire, voilà, vous pouvez répondre à la question. D'accord, merci madame pour votre question. Tout en partageant. Presque totalement, c'est qu'on nous dit, mais est-ce que le fait de tout ce que nous subissons ou nous avons subi est un prétexte pour ne pas organiser le parti? Ça, c'est la question que moi je me pose. Et le national Guy, dans sa première intervention, il a dit qu'il va changer l'exécutif parce que ça ne marche pas. Maintenant, quand on lui demande comment le faire, il dit maintenant que non, nous avons subi, nous sommes en combat. Non. Moi, je crois quand même qu'on peut faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, le père fondateur de ce parti, ils ont connu peut-être des situations plus difficiles que nous. L'UDFS est né dans la clandestinité. Dans le gouvernement. Ouais. Il est passé né dans la clandestinité. Mais les pères fondateurs de ce parti ont pu l'implanter sur tout le territoire national. Je dis bien dans la clandestinité. Aujourd'hui, quel est l'état de notre parti, nous qui sommes de la génération Android? Quel est? Parce que, en paraphrasant le national Guy, je crois qu'il y a des problèmes, des sérieux problèmes de gestion. Au sein du parti. Ça, c'est une direction maintenant, répondez à la question. Vous avez débordé. J'ai débordé. Je vous avais dit l'essentiel. Oui, la question c'était des nationalités. Elle a posé une autre. Maintenant, comment vous allez nous répondre dans les finances? Comment vous allez...
de leur tirer et qu'est-ce qui est parti. Est-ce que ce sont les militants qui vont cotiser, puisque M. Félix, j'ai entendu, il a dit que nous avons aussi des alliés à l'extérieur. Est-ce que l'IDFS n'est pas aussi fait appel aux partenaires étrangers pour renflouer vos caisses? Comment pratiquement vous allez renflouer les caisses? Oui, merci pour la question. Mais là aussi, j'ai un peu de problème avec le secrétaire général Félix. Je crois qu'il est dans l'exécutif actuel. Ils pouvaient déjà nous donner l'état des finances de notre parti maintenant. Je crois qu'ils sont en train de gérer le parti. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'UDPS, moi, je crois que c'est le plus grand parti de ce pays. Je vais vous donner juste un exemple. Kinshasa, c'est une métropole d'environ 12 millions d'habitants. Je prends au plus bas mot. Nous avons seulement 10% de combattants. Ça veut dire que nous avons à peu près 1 200 000 combattants d'abord et sympathisants. Si nous demandons à ces 10% de cotiser le fisc 1000, je dis bien 1000 francs, nous aurons autour de 800 000 dollars dans la caisse du parti. C'est pourquoi je dis que c'est important. Avant qu'on aille chercher l'argent chez les partenaires, il faut d'abord que nous prouvions nous-mêmes ici comment sommes-nous capables de mobiliser l'argent. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le mobile banking. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ce qu'on appelle ici les M-Pesa, les Airtel Money, tout ça. Quelqu'un qui est en Anajika aujourd'hui peut envoyer 5 dollars ici. Merci pour le sujet. Merci beaucoup. Et je vais commencer par faire remarquer que mon ami Paul n'avait pas bien saisi. Ouais. Il n'avait pas bien saisi mon question. Je répondais à la question sur l'ordre. Et la question dont il était intervenu, c'était par rapport à l'administration, si on va amener l'administration actuelle jusqu'au niveau national. Mais vous allez constater que lui, à l'introduction, il avait dit la première démarche d'affaires, c'est l'état de guerre. Donc il n'avait pas encore fait l'état de guerre. Maintenant, je me rends compte qu'il avait déjà fait cet état de lui, comme nous autres. Parce que moi, j'avais dit que je vais commencer par la désignation des responsables du parti, la désignation des responsables, des animateurs des structures du parti, pour aller de l'avant. C'est ça la priorité. Même lorsqu'on parle des finances, il y a effectivement des problèmes au sein des DFS, mais il y a plusieurs niveaux. Il y a des problèmes internes et externes. À l'interne, j'ai dit les responsables qui seront nommés doivent répondre au profil statutaire, je reviens sur ça. Il y a la probité morale, il y a la crédibilité. Les responsables là qui seront nommés seront maintenant en symbiose avec la base et nous allons renflouer nos caisses avec les cotisations. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, le monde aujourd'hui, nous vivons dans un monde interdépendant. Nous allons sensibiliser les partenaires, ceux qui seront disposés à collaborer avec nous. Nous allons aussi bénéficier de leur assistance. Ce n'est pas une infraction. Donc voilà comment nous voyons les choses. Mais il faut d'abord établir la confiance entre le responsable des gestion, les former aussi, ça c'est le fait plus tard, et la base qui va cotiser et que cet argent soit géré en bon père des femmes. Mais vous avez votre carte qui peut régler vos cotisations. Pardon? Vous avez votre carte du parti et payez vos cotisations. Nous? Vous? En tout cas, les candidats tels que nous sommes. Non, là, vous personnellement. Nous sommes avec les cotisations. C'est une condition pour vous construire à l'IFS. Monsieur Félix, vous êtes dans l'exécutif actuellement. Le bilan est comment? Déficitaire? Comment est le bilan? En un mot. Oui, merci. Mais si vous me permettez, je voudrais d'abord répliquer à l'intervention de mon ami Paul Tshilombou, qui, je signale au passage, a déjà fait partie de l'exécutif de l'UDPS dans sa vie. Et il n'a jamais proposé ça, ce que je dis aujourd'hui. Ensuite, je voudrais dire que M. Paul Tshilombou était de ceux qui ont combattu une initiative pourtant loi qui a émané de notre secrétaire général, qui était la vente des cartes. Et cette opération était d'autant plus louable qu'elle faisait en même temps vente de cartes et établissement d'un fichier signalétique qui reprenait d'une base de données, qui reprenait tous les membres de notre parti. Il est de ceux qui ont combattu ça. Mais je dis, si évidemment nous devons agir dans le sens de saboter les initiatives des uns pour ensuite
les dénoncer et dire qu'ils ne font rien, je crois qu'on ne construit pas. Voilà pourquoi moi je parle d'unité au parti. L'unité, elle est très nécessaire, parce que la Bible nous l'apprend d'ailleurs, une nation divisée contre elle-même est vouée à sa perte. Donc nous avons absolument besoin d'être unis, voilà, vous perturbez, on vous a dit que c'est pas bon. Non, c'est pas inutile, bien aimé. Nous avons besoin d'apprécier et d'encourager les initiatives qui viennent des affaires. Aujourd'hui, madame, je suis content du bilan de l'UDPS aujourd'hui. Parce que l'UDPS est passé par beaucoup de tourments ces dernières années. Et le principal des tourments, c'est la perte de notre leader. Elle n'était pas prévue. Et nous avons tenu bon. Nous avons gardé la maison du l'UDPS unie, tant bien que mal unie. Vous avez vu toute l'adversité qu'il y a aujourd'hui. Le pouvoir s'est mis avec des gens de chez nous qu'il a débauchés et qu'il a essayé de retourner pour qu'il dédouble l'UDPS. Nous nous battons sur tous les fronts. Sur le front diplomatique, madame, l'UDPS est très fort. J'en veux pour preuve la déclaration ou l'interpellation de madame Nikki Haley dernièrement au Conseil de sécurité au ministre Okitundu en lui demandant, en lui imposant de tout faire pour que le délégué de l'UDPS à la CENI soit là. C'est le travail de la diplomatie de l'UDPS. Parce que les autres faisaient passer leur UDPS comme la vraie. Donc nous nous sommes battus. C'est vrai qu'il y a encore du travail à faire, je le comprends très bien. Nous allons faire ce travail parce que nous sommes là pour ça. Mais ce travail, nous ne pouvons le faire que dans l'unité, sans que les uns sabotent le travail des autres. Merci. Et je me bats très contre ça. Vous avez déjà été président de l'UDPS, comment vous avez géré financièrement votre entité? Merci, permettez-moi également de quelque chose par rapport à la déclaration de notre ami Paul. Je voudrais faire remarquer qu'il est important de faire la différence entre l'époque où la dictature de Mobutu régnait et que seule l'UDPS était comme l'alternative crédible et qui inspirait confiance aux gens, et qu'en ce moment-là, il y avait lieu que tout le monde qui ne voulait plus de la dictature, n'est-ce pas, quitte pour venir rejoindre l'UDPS, et facilement l'UDPS pouvait être implanté sans trop d'efforts partout, parce que la population en avait marre de Mobutu. Mais qu'aujourd'hui, dans un pays où il y a plus de 600 partis politiques, dont il y a des efforts supplémentaires à faire, nous devions vraiment faire la différence entre les deux époques, et ne pas comparer l'époque de nos pères fondateurs à ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, c'est important. Cela étant, il y a un sérieux problème qui a miné le parti, celui de plusieurs courants. Au-delà de ce que disent, qui est le dénominateur commun de tout le monde, n'est-ce pas? Il y a eu des courants qui se sont développés, lesquels courants ont amené quelques petites divisions et des comportements qui frisaient le manque de confiance en nous, et cela a fait que le finance du parti à tous les niveaux en souffre. Et la Ligue des Jeunes n'a pas été épargnée non plus. Il y avait des efforts à faire. Vous demandez à la jeunesse ici de cotiser, mais lorsqu'il rentre à la maison, il y a un autre leader qui dit non, là tu as un peu de donner l'argent à la Ligue. C'est ce que nous avons souffert. Mais qu'aujourd'hui, nous sommes en train tous de parler de l'unité. C'est un élément important et hyper important pour nous, n'est-ce pas, qui va faire renaître la confiance au sein du parti et tout autour de l'unité. Je pense que les finances auront notre sens de cloche. Alors, quand vous dites finance, vous voyez que la cotisation des membres, vente des cartes, c'est la vente des cartes qui a déjà posé problème, même au dirigeant du président. Pourquoi c'est difficile, les cartes et les concessions? Pourquoi ça se complique dans l'UDPS? C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. C'est un problème, mais il y a une rupture de confiance entre certains, pas tout le monde, certains responsables qui ont joué les partis et les combattants. Lorsqu'il y a une rupture de confiance, personne ne peut cotiser. C'est la raison pour laquelle nous voulons recréer cette confiance en nommant les responsables qui ont la probité morale, qui sont des combattants engagés, qui sont crédibles,
peu vont nous aider à entrer les caisses du parti. C'est ça le vrai problème du parti. Non, pourquoi vous voulez réagir sur le Non, non, là, il a affirmé des choses très graves. Je ne peux pas laisser passer ça. Vous savez, nous, ici, à l'IFS, nous avons ce qu'on appelle le diabou, le diabou. Et j'ai l'impression que le secrétaire général, il est le parrain de diabo et de Kadiocha. Est-ce que vous pouvez... Diabo, c'est la diabolisation. S'il n'était pas mon frère, j'allais l'amener en justice pour qu'il apporte les preuves de ses affirmations. Quand il affirme que moi j'ai combattu la vente du cas, c'est une contre-vérité. Je ne sais pas, peut-être vos services de diabolisation sont venus vous rendre compte, mais je n'ai jamais, je le dis tout haut, de près ni de loin, été mené dans cette affaire-là. J'achète ma carte. Vous, c'est vous qui contrôlez les gens qui achètent les cartes au parti. Non, vous n'êtes pas l'inspecteur. Laissez-moi parler, vous n'avez pas. Non, mais attends, s'il vous plaît. Là, c'est pour les besoins de la cause. Oui, mais parce que tes services te rendent compte de tout ce qu'on fait au parti. Vous n'êtes pas encore le président du parti. Et votre mal en patience, vous aurez toutes les informations autant voulu. Voilà. Mais je voulais aussi dire une chose. Je reviens un peu. Vite. Sur... Quand vous dites ça, vous confirmez que celui qui sera président. Non, qu'il est. Parce qu'il est prétentieux, j'ai dit qu'il attend. Il parle déjà comme s'il était président du parti. Ouais, attends. La deuxième chose. Qu'est-ce que j'ai dit? Lorsque le secrétaire général dit, il parle de l'unité. Mais l'unité, là, c'est trop facile de faire du verbiage. Comment allez-vous faire l'unité au parti aussi longtemps qu'il y a autant de frustration dans ce parti? Nous, les pères fondateurs, quand je parlais des pères fondateurs, nous disions que l'UDPS est une pyramide renversée. Mais M. le CG, là, votre exécutif a renversé encore la pyramide. Ce qui veut dire quoi? Vous avez pris tout le pouvoir qui était au niveau de la base du parti. Vous avez fait les 3 cas plus T. N'est-ce pas? Alors, je voudrais dire ceci. Moi, président de ce parti, je vais revaloriser le président, la base du parti. C'est ça la clé. Vous savez, cet exécutif, s'il vous plaît, je termine, d'accord, il n'y a pas de problème, je termine, ok. Bon, en tout cas là vous allez lui poser des questions, je crois que lui aussi a son courant. Moi je n'ai jamais eu de courant au sein de l'UDP, je ne connais même pas le courant. Mais je voulais dire seulement ceci, c'est facile de parler de l'unité. Mais pour parler de l'unité, il faut arrêter les frustrations. Moi je vais prendre juste un exemple. Je veux être plus pragmatique, pas des théories. Vous êtes parmi les plus frustrés, monsieur. Jean, moi je suis un combattant, moi on ne peut pas me frustrer. Je dis seulement ceci. Je prends un exemple. Lorsque vous avez un exécutif qui décourage toute positive au sein du parti, comment voudriez-vous créer cette unité? Je donne l'exemple. Nous avons une structure au sein du parti, la CIMAC, qui est animée par Maître Sylvain Mouton. Cette structure-là, pendant que cet exécutif dormait, a pu former 300 formateurs de témoins. Mais je vous dis que cette structure-là a été combattue. Et aujourd'hui, Maître Sylvain Mouton, avec tous les cadres qui sont dans cette structure, ne sont pas sur la liste de ceux qui doivent participer au congrès. Et c'est dans ce cadre-là que vous allez créer l'unité au parti. Lorsque vous négligez les figuraux, moi, j'ai, la table ronde, a reçu plus de 20 présidents fédéraux qui étaient venus pour le deuil du président, ici, qui ont essayé de rencontrer les autorités du parti. Merci beaucoup, vous avez... Par le simple fait qu'ils ont voulu qu'on convoque un congrès, je vous en prie.
D'accord. Gardez vous avez assez d'énergie, gardez-le, mais sachez que vous avez consommé 5 minutes, vous ne verrez pas de droit à la maison. Monsieur Félix, on est d'accord au sein du parti. Pourquoi oui, pas cette unité-là? On a l'impression qu'aujourd'hui tout ressort. Combien de courants y a-t-il aujourd'hui? Permettez-moi, madame, de tout faire pour ne pas laisser passer ça. Je crois que le prof a besoin de garder son calme. Il a dit que je serais peut-être l'auteur d'un courant, n'est-ce pas? Mais j'ai cru comprendre qu'il est candidat pour le congrès qu'il y aura demain. De mon courant, posez lui la question. Non, je crois qu'il use de cette tribune pour régler des comptes au secrétaire général. Et ce n'est pas bien parce que le secrétaire général n'est pas là pour se défendre. Il a parlé de la CIMAC. J'ai vu un autre mot dans l'assistance. Samedi dernier, ce monsieur a été extraordinaire parce qu'il a pris des amis de la CIMAC. Ils ont organisé une structure de soutien à ma candidature. Donc c'est la preuve que Sylvain Moutombo n'est pas du tout, ne travaille pas contre ce que je veux de ce parti. J'ai encouragé Sylvain Moutombo avec mon propre argent, il le sait, je le dis devant lui, avec mon propre argent parce que j'ai trouvé que son initiative était efficace. Nous devons déjà nous préparer sur le front, le front électoral, nous devons faire. Mais il est là, toujours, je continue de le dire, ce que je condamne, et quand je le condamne, je le lui dis toujours enfin, je le fais venir, je lui parle comme un petit frère. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on fasse tout en désordre. Nous sommes un parti qui se veut être organisé. Et un parti organisé doit avoir une hiérarchie et une base. Du sommet à la base, on doit bien ordonnancer les actes et autres choses. Sylvain Moutombo, demain, il sera un de mes partenaires privilégiés dans le domaine qu'il est en train de se creuser, celui de la formation de nos observateurs et témoins. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais que tout se fasse, évidemment, dans les règles de l'art. C'est peut-être ça qui a causé aussi des frustrations sur le secrétaire général et qui a amené tout ça. Et je ne vois pas pourquoi mon frère Paul Kiloumou étale comme ça notre cuisine interne. Bon, je reviens maintenant sur votre question très rapidement pour dire, à l'UDPS, vous savez, Paul Kiloumou est revenu souvent sur cette... oui, les pères fondateurs, mais j'ai cru comprendre qu'il a dit qu'il est entré en 90. En 90. Voilà. Donc il n'a pas l'histoire d'avant 90. Et c'est important d'avoir cette histoire. Parce qu'il va comprendre que les tendances, les divisions, les frictions, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et ça n'a pas commencé que sous Kaboum. Les frustrations, il y en avait déjà avec Mavoumou. Et avant Mavoumou, il y avait Chabani, il y avait des frustrations. Avant Chabani, il y avait Moutanda, il y avait des frustrations. Avant Moutanda, il y avait Massamba, il y en avait. Avant Massamba, il y avait Pongo, il y avait toujours des frustrations. Les frustrations, il y en aura. Mais à partir du moment où, qu'on soit frustré ou pas, qu'on ne perde pas l'idée de l'intérêt général, l'intérêt du parti, ça, c'est ce qui m'importe. Je ne demande pas ce que tout le monde s'embrasse sur la bouche. Mais au moins que tout le monde ait en tête que nous appartenons à une même famille, l'UDPS, et que l'UDPS doit gagner. Quand un de nous fait un acte qui va dans le sens de notre victoire, il faut le soutenir. Il ne faut pas le combattre parce que, soi-disant, on n'est pas sa tendance. La tendance à l'UDPS, pour répondre à votre question, elle est une et une seule depuis un certain temps, c'est la tendance d'Étienne Tshisekedi. Ceux qui sont avec Étienne Tshisekedi, vous avez vu, ils sont là. Aujourd'hui, ils sont en train de se battre au nom de l'UDPS. Ceux qui ont trahi Étienne Tshisekedi sont soit avec les kabylistes ou soit en train d'écrire aux kabylistes pour avoir leur UDPS à eux. L'UDPS se décrète à la base, elle ne se décrète pas dans les bureaux du ministre de l'Intérieur. Voilà. Voilà, donc vous êtes des potentiels candidats. Les élections. Papa. Les élections sont en train de se faire. Silence, s'il vous plaît. Je suis encore maintenant dans le point par rapport aux élections. Nous risquons de sanctionner votre champion. On parle déjà du seuil de représentativité. Est-ce que le prochain président de l'UDPS va s'allier avec qui pour foncer vraiment cap vers les élections? Est-ce que l'UDPS est capable d'aller seul? Est-ce que vous avez ce seuil de représentativité? Ou si pas, avec qui allez-vous vous allier
gagner cette fois-ci les élections en 2018, parce que le peuple attend cette alternance depuis des décennies. Commençons par M. Paul. Vous allez vous allier avec qui pour gagner sans exemple. Exemple. Bon, j'essaie d'être un peu... Deux minutes pédagogiques. Bon, je veux dire une chose. Vous savez, en politique, il n'y a pas des amis éternels. Il n'y a pas non plus des ennemis éternels. Les amis d'aujourd'hui peuvent devenir des ennemis de demain. Et les ennemis d'hier peuvent devenir des alliés d'aujourd'hui. Tout dépend des objectifs que vous poursuivez. Nous, à l'UDPS, il y a autant, avec autant d'autres partis politiques, nous voulons que ce régime dictatorial et sanguinaire dégage. Nous allons faire des alliances avec tous ceux qui poursuivent le même objectif. Et au moins pour une fois, à son honneur, le secrétaire général, il était un peu en avance. Quand je vais dire, on va dire que j'accuse les gens. Il était un peu à l'avance par rapport à son exécutif. Il est allé prendre contact avec d'autres partis. Et nous savons qu'avec la loi électorale, avec le mode de scrutin, aucun parti n'est capable de gouverner seul. Donc aujourd'hui, nous avons intérêt absolument, même si je crois dans la force de mon parti, mais je sais que demain pour diriger, pour faire 250 plus 1 députés dans l'Assemblée nationale, nous serons obligés de faire des alliances et des alliances objectives. Oui, les statuts de l'UDPS, c'est comme les règlements derrière, ont prévu les alliances. C'est pas mauvais. Mais ces alliances, on doit les faire avec des gens qui voient les choses de la même manière que nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ces alliances-là doivent se faire tout en préservant les intérêts de l'UDPS. Peut-être je vais contredire mon co-débatteur lorsque j'ai déclaré le secrétaire Jean-Félix. Il faut une concertation en interne avant d'engager une alliance pour lutter des contestations. C'est tout ce que nous demandons aux gens qui vont prendre ces contacts. On se concerte à l'intérieur. On fait un débat parce que le débat démocratique est sacré dans un parti. Dès qu'on lève les options, personne ne va contester une alliance. C'est ce que nous demandons. Et dès que nous serons élus président, croyez-nous, ce débat démocratique sera permanent. David. Bon, juste deux secondes pour rétablir quelques vérités aussi. Je voudrais faire remarquer à mon frère Paul qu'il n'a pas toutes les informations par rapport à la CIMAC. Parce que moi qui vous parle, j'ai des informations selon lesquelles que la CIMAC serait constituée depuis le grand mouvement des jeunes. Donc, il dépend de la lutte des jeunes. J'ai pris mon téléphone moi-même pour appeler mon frère Mouton. Mais comme ça, vous le citez un peu trop, il risque de revenir. C'est important parce que ça sent parfois de façon que nous sommes en train de délimiter un niveau de la vie. Je fais partie de l'exécutif et on a attaqué l'exécutif. Et alors, mon frère n'a pas répondu favorablement, n'a pas répondu favorablement à ma demande et que voilà aujourd'hui il y a des problèmes. Oh, moi, je m'étais engagé au nom de la Ligue des jeunes, pour répondre aux délégués de la CIMAC afin qu'ils soient présents au Congrès. Alors, par rapport aux alliances, il y a un adage qui dit qu'en politique, les alliances se font et se défendent. C'est-à-dire, on peut faire des alliances aujourd'hui par rapport à un objectif atteint, et demain, ça peut se défaire, tant mieux. Je suis en train de noter que l'UDPS, à elle seule, elle peut arriver, n'est-ce pas, à répondre favorablement par rapport au seuil. Pour avoir la majorité, c'est à ce niveau-là qu'il faut maintenant faire intervenir les alliances. Mais les alliances que nous allons tisser, il faut les tisser autour des valeurs. Lorsque je révisite l'histoire, je constate que l'UDPS, depuis sa création, a toujours été ouverte à toutes les alliances, à plusieurs alliances. Elle en a fait autant et elle continuera à le faire aussi longtemps que les besoins se feront sentir. Les alliances, je voudrais corriger un petit peu ce qu'a dit ici, Paolo. Non, l'UDPS, au dernier congrès, lors de son dernier congrès, a interdit les alliances. Ils n'ont pas permis. Donc, les alliances sont interdites, mais nous avons tiré une leçon de ces élections-là.
de 2011. Nous aurions dû procéder justement par des alliances, parce que les médiocres qui sont au pouvoir, dont on sait d'ailleurs qu'ils ont fiché, certes, avaient eu la bonne tactique, celle de multiplier comme ça les groupes du Sud pour capter les petites voix. Donc ça, nous avons dit, nous n'allons pas nous faire avoir, nous avons fait une petite entorse au statut, mais ça va être très vite rétabli lors du congrès, parce qu'il faudrait que le congrès redonne le quitus. Ça, c'était juste, cette entorse, on a dû la faire à cause du délai des dépôts des regroupements et tout ça, de la liste des partis. Donc, on ne pouvait pas faire autrement. Nous avons levé l'option en interne. Nous avons dit, on le fait, on le présentera au congrès. Ce ne sera pas du tout condamné, d'autant plus que c'est une alliance stratégique avec nos alliés habituels dans le rassemblement. Donc, à l'exception des deux groupes Katumbis, ARGC et de la dynamique, toutes les autres composantes normalement devraient s'aligner dans un regroupement piloté par l'UDF. Et donc, nous sommes pour les alliances. Ça, c'est pour le regroupement. Nous sommes également pour d'autres alliances, c'est-à-dire des additions. Parce que vous savez, on parle du seuil aujourd'hui. Il faut viser le seuil, mais la proportionnelle demeurera. Donc, il faut aussi penser à la proportionnelle. Et comme m'ont dit tous mes amis, personne ne gagnera seul. Donc, voilà pourquoi j'ai été voir nos amis Vital Kamere et Herba Zaïba, en perspective évidemment d'une, on ne va pas dire alliance, mais d'une association de nos forces et de nos énergies. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'absorber dans un regroupement, nous allons additionner le regroupement UDPS avec ses alliés, plus le regroupement UNC avec ses alliés, plus le MSA avec ses alliés. On espère ensemble atteindre les fameux 250 sièges plus un. D'accord. Donc, il nous reste quatre questions. Une pour moi, pour Paulette, et une question pour la jeunesse, que ça proposera, une question pour la femme, que la chef pourra poser, ça sera à l'égard. Alors, revenons par une idée qu'on a escamotée, un aspect très important. Une fois président, en une minute, qu'allez-vous faire face aux exclus, aux députés UDPS qui sont dans l'Assemblée, vous allez lui rappeler pour qu'ils reviennent, ils ne verront pas ce qu'il y a avant, on va faire le policier. Moi j'aime bien citer la par rapport au cataclysme, on sait qu'il, par exemple, qui a demandé le dialogue, malgré qu'il vous a porté plainte, il a dit je veux revenir à l'UDPS. Qu'est-ce que vous allez faire de lui et des autres, tous ceux qui sont partis, mais qui ont envie de revenir. Sur les autres, bon, on a été Moubaki, Tshibala. Tshibala et les autres, qui s'y demandent de revenir et de refaire l'unité de l'UDPS. En tant que futur président, est-ce que vous allez les accueillir en tant que président, nous sommes en chair à Kabili, c'est fini, on n'a plus besoin de vous. Merci Madame Paulette. Je crois, lorsque je pris la parole pour la première fois, j'ai dit qu'on va décréter l'amnistie, il y aura une commission. Mais je crois que je suis en face du pasteur Paul. Pasteur, savez-vous que même dans la Bible, il y a des péchés impardonnables. Vous savez ça? Le péché contre le Saint-Esprit, il y en a. Vous lisez votre Bible. Vous comprenez? Moi, président de ce parti, il y a des gens qui ont trahi, qui ont craché sur la mémoire de notre héros national. En tout cas, je crois qu'il faut leur souhaiter bonne chance. Là où ils sont allés dans la Kabylie, là où ils sont allés, qu'ils créent leur parti. Si ce sont vraiment des hommes politiques comme ils le prétendent, qu'ils créent leur parti et qu'ils viennent, nous allons nous affronter sur le terrain. Ça, c'est mon point de vue. Oui, avant de répondre, je veux rectifier quelque chose que le général Félix a dit. Les forces politiques et sociales ont été reconnues par le règlement intérieur du mars 2013. C'est là le règlement intérieur. Oui, mais après la modification, ça, c'est un autre débat. On risque d'être exposé ici. Je sais que nous pouvons éviter, en tant que candidat au président national, d'exposer tous nos problèmes. Par rapport à l'unité, je crois que le pasteur vous avait posé la question si les gens demandent. Est-ce qu'il y a des demandeurs parmi les gens qu'on a exclus? Est-ce qu'il y a des gens qui demandent des renseignements? Nous sommes encore en procès.
nous sommes encore à procès pasteur. Hier, nous étions là, nous avons souffert. Au lieu de préparer le congrès, de battre campagne, nous étions alors obligés de passer plus de 5 heures d'état au tribunal. Moi, je ne crois pas à ce que vous êtes en train de dire. Je dis ceci. Pour les gens qui ont demandé qu'on leur donne leur morceau, ils les pèsent. Pourquoi vous voulez parler à l'air? Pourquoi vous voulez parler à l'air? Nous connaissons, vous savez, les DPS, c'est lui qui veut rentrer, il peut faire un recours à la hiérarchie, à l'espoir. Moi, je pense, ça, ça m'engage pour moi, dès que je serai élu président, je vais organiser une large concertation. Il faut que les gens comprennent, le président Étienne Tshisekedi n'est plus, c'est son esprit qui nous guide. Personne ne peut prendre une décision d'autorité pour administrer un ami qui ne veut même pas venir, mais parce qu'on veut lui faire plaisir, la base ne va pas accepter. Quelle sera la conséquence? Dès qu'on administre quelqu'un, c'est-à-dire qu'il revient à l'IFS, il retrouve tous ses droits en tant que combattant. Peu importe, il retrouve ses droits en tant que membre de l'IFS, il se présente comme candidat dans une circonscription électorale. Si la base n'est pas impliquée dans le processus, ce monsieur-là ne sera pas élu. C'est nous qui perdons. Donc nous devons organiser une concertation en interne. Nous écoutons la base, nous levons une seule option. De telle façon que si un ami qui avait trahi, qui revient au parti, la base l'a pardonné, il sera soutenu demain. Même question. Oui, bon, je pense que c'est un débat qui devrait être dépassionné. Il faudrait vraiment faire la part des choses et éviter d'amener les humeurs dans... On a oublié tout le temps. Et éviter d'amener les humeurs dans ces débats. Le président David Moukeba élu donnera un ton par rapport à son intention de vouloir voir les filles et les fils de l'UPS communier ensemble. Mais cela n'a pas force de loi, comme l'a dit mon frère Duba. Parce qu'il y a des textes qui nous régissent, parce qu'il y a des lois, il y a des prescrits. Voilà pourquoi nous avons institué une commission qui va étudier au cas par cas et ne pas décréter l'amnistie comme si on avait un pouvoir au-dessus de tous. Cela dépendrait plutôt des résolutions de la commission, mais en même temps la commission saura d'avance que c'est lui qui est le président et a l'intention de voir les fils et les filles et lui le presse communier ensemble. En ce moment-là, la commission dira pour tel cas, voici pourquoi on ne part prêt de le recevoir. Dans tel autre cas, voilà, on peut le recevoir et, comme le dit nos statuts, il rentre à la base pour recommencer. Même si c'était lui qui parlait et qui soufflait à l'oreille du chef, il va rentrer à la base et recommencer. Donc ça dépendra de la commission. Même question. Bien. Vous avez parlé de l'unité. De rassemblement. Moi, je vous rétorque, on ne rassemble que ceux qui veulent être rassemblés. Dans ce qui nous concerne comme problème, il y a plusieurs cas. Il y a le cas de nos députés. Et j'ai pris beaucoup de risques à l'époque de faire des sorties médiatiques pour dire non. Ce problème avait été très mal géré au niveau du RS. J'avais pris des coups de mes amis du parti. Ils pensaient que j'étais de bonne chance avec eux. Certains ont même soupçonné que j'allais siéger ou je sais que je touchais de l'argent. Non. J'étais tout simplement conscient que ça avait été très mal géré autour du président et donc, il y a eu ce cas. Et certains d'entre eux ont tout fait pour montrer leur attachement. Et je crois que ce serait injuste de dire on chasse tout le monde, on met tout le monde dans la même bassine et avec on les renvoie avec l'eau du bain. Non. Il faut traiter leur cas au cas par cas. Alors, il y a d'autres qui, ceux que vous avez cités, comme ceux que vous avez cités, qui demandent de revenir. Mais revenir où? Admettons qu'ils aient eu gain de cause dans la manœuvre, dans la manipulation qu'ils avaient faite et qui consistait à tuer la veille des festivités. Est-ce qu'ils auraient demandé cette réconciliation? Nous avons des informations sur les tourments qu'ils rencontrent là-bas. Ils sont lâchés complètement. Ils sont dans le vide. Est-ce qu'on peut concevoir qu'au moment où on demande l'unité, on est en procès avec ceux à qui on demande l'unité pour obtenir leur extinction? Vous trouvez ça normal? Est-ce qu'on peut concevoir
qu'au moment où on demande, où on souhaiterait éventuellement l'unité, où on revendique quelque chose, on est en train de demander en même temps au ministre de l'Intérieur de lui créer une aile qui s'appellerait UDPS, le peuple, ou que sais-je encore. C'est de la fantaisie, tout ça. L'UDPS est un parti d'adhésion libre. On adhère à la CELU. Il y a eu des grands personnages, je ne vais pas les citer, de ce parti, qui ont fauté à un moment de donner de leur parcours, qui ont bénéficié de l'amnistie du président en 2010 et qui sont revenus, tout grands qu'ils étaient, à la base. Ils ont adhéré, ils n'ont rien demandé. Ils allaient à la cellule. Et les autres, pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas ça? Qui commencent d'abord à aller à la cellule, on verra comment on va voir comment on va les accueillir à cette cellule. Parce que ce sont les combattants de la base qui décident. S'ils veulent les voir, ok, s'ils ne veulent pas les voir, tant pis pour eux. Ce n'est pas au sommet de décider. Voilà. Oui. Alors, il y a une question pour poser à la jeunesse. Allez, là. Merci beaucoup. Oui, parce que la question s'articule autour de la jeunesse. L'esprit des pères fondateurs, n'est-ce pas, les deux jeunesses, c'est visible même en scène, la démocratie et les bannières. Je suis dit tout de suite là, les présidents reconnus, n'est-ce pas, sa priorité et l'objectif permet de l'IDPS et ses vies dès l'état des droits. Ma question est celle-ci, président, c'est quoi l'état des droits et par où vous allez commencer l'état des droits? Voilà mes préoccupations. Vous posez la question au président ou... J'ai posé la question à tous les présidents. À tous les candidats plutôt. Mais c'est donc, qu'est-ce que nous attendons par état des droits et par où vous allez commencer cet état des droits-là? C'est bon pour la jeunesse. C'est très bien. Je l'ai brossé il y a quelque temps à ma tête. Je disais, dans ce qu'on dit, lorsqu'on parle d'état des droits, c'est un état où règne d'abord et avant tout la justice. Un état dans lequel la justice est le moteur. Une justice juste qui met tout le monde en dessous de la loi, à commencer par le premier des citoyens. C'est ça un état de droit. Un état de droit, c'est celui qui garantit à ses concitoyens leurs droits et leurs libertés, conformément à la constitution de ce pays. Un état de droit, c'est un état qui permet, dans sa gouvernance, dans sa gestion, une transparence qui peut à tout moment subir un contrôle de tout citoyen contribuable de ce pays, contribuable ou pas. Un état de droit, c'est celui qui garantit le bien-être, qui redistribue la richesse à tout le monde selon la répartition convenue. Voilà un état de droit, l'état dans lequel nous rêvons, nous, descendants des terres de Guéry, d'amener notre pays. David. Oui, je voudrais brièvement dire qu'un état de droit, c'est un état où on ne sait pas faire prévaloir la loi du plus fort. C'est un état où règne la justice. C'est un état où ce sont seuls les textes qui régissent les rapports entre les humains. Et c'est là dans tous les domaines de la vie, dans tous les compartiments, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour la redistribution des finances, donc dans tous les compartiments, c'est la loi qui trône et il n'y a pas de la loi du plus fort. Oui. Oui, l'essentiel a été dit. Il y a une dimension seulement que nous allons insister, la dimension de la redevabilité. Les gestionnaires qui gèrent un état de droit pour une structure démocratique comme l'IDPS, ça je vais revenir à l'IDPS, doivent avoir l'habitude de rendre compte. Parce que nous constatons aussi qu'à l'IDPS, lorsque les combattants nous demandent des comptes à nos cadres, ils deviennent nos ennemis. Et ça, c'est antidémocratique. Je profite de cette idée pour demander à tous les jeunes de continuer à nous demander des comptes, nous qui les gérons, mais dans l'ordre et la discipline, parce que c'est conforme à notre idéal. Bonjour.
Merci, je crois, presque tout a été dit. L'état de droit, c'est un état où nous avons tous le même droit et le même devoir. C'est un état où il n'y a pas des intouchables. Que vous soyez président de la République ou que vous soyez président du parti, vous avez des comptes à rendre autant que le dernier combattant de la cellule de Malueka. Autant que vous êtes président de la République, vous êtes justiciable. Vous respectez la Constitution, vous respectez la séparation du pouvoir. Quand vous détournez le bien de l'État, vous devez y répondre. Je crois que c'est l'essentiel qui a été dit. C'est un peu lié à la jeunesse. En 92, conclave de Bademagne, mon groupe une homme qui se quitte le ministre. Les jeunes étaient plein ici à gronder, ils ne voulaient pas de ça. Et ça, Très bien, très bien, très bien alimenté. Il pose la question à la jeunesse, êtes-vous d'accord ou pas? Non, nous ne voulons pas. Moi également, je refuse. Est-ce que vous tiendrez compte de la voix de la jeunesse qui a fait la force de ce parti? En d'autres termes, parmi les délégués au congrès, combien a-t-il de jeunes dans ce congrès? Allez-vous vous battre pour que les jeunes soient autant représentés au niveau du Congrès? Absolument. Je crois que la jeunesse, c'est pourquoi. Même quand il y avait le critère de fin de temps d'ancienneté pour être candidat, moi, je l'ai condamné, je l'ai critiqué parce que c'était un critère discriminatoire. Nous devons donner la chance à cette jeunesse. Vous savez, nous avons une jeunesse qui est pratiquement une pépinière de compétences. Et ces jeunes qu'on retrouve à l'UDPS, qui sont des médecins, des pharmaciens, qui sont des juristes, des avocats, nous n'allons pas leur dire qu'ils ne peuvent pas gérer ce parti parce qu'ils n'ont pas fait 20 ans. Moi, je crois, président de ce parti, non seulement je veux favoriser que la jeunesse puisse animer ou gérer certaines structures, mais je vais encore recruter plus de jeunes possibles, compétents, afin qu'ils viennent renflouer nos rangs pour combattre, pour gérer et pour aller au pouvoir. Il y a 30 secondes, il a dépassé 30 secondes. Non, nous allons compter sur la jeunesse. D'ailleurs, un politicien aujourd'hui au Congo qui ne va pas travailler avec la jeunesse n'a pas d'avenir, parce qu'il est prouvé que plus de 60% des habitants de ce pays ont moins de 30 ans. Donc nous devons absolument travailler avec les jeunes, faire un effort pour la promotion de ces jeunes. C'est la raison pour laquelle la redynamisation de la vie des jeunes reste une priorité de priorité pour l'avenir de la jeunesse dans notre pays. David, non, nous commençons par la candidate Félix et vous allez terminer. Parce qu'il a toujours. Il termine toujours toutes les questions. Là, c'est vous qui avez terminé. Non, j'avais commencé de la. Ah, c'est ça. Enfin, c'est pas grave. Voilà. La jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est pour moi la richesse, non seulement qu'a l'UDPS, mais qu'a le Congo et même l'Afrique. Une des forces. Beaucoup de gens regardent nos minerais, beaucoup de gens regardent notre sol qui est riche, etc. Mais moi, j'ai toujours dit, notre première richesse, c'est notre jeunesse. Avec ça, nous pouvons faire d'énormes choses. Et les jeunes, il y en a beaucoup ici, savent combien je suis attaché à eux, combien je les ai toujours encadrés, et même dans nos manifestations, ils m'ont accompagné jusqu'à des moments très difficiles que nous avons connus. Donc les jeunes, j'en ferai une priorité. Je l'ai dit, la Ligue des jeunes sera immédiatement attachée à la présidence que je dirigerai. La Ligue des jeunes devrait être de mèche avec le président que je serai, parce qu'il y a des indications, des orientations, surtout dans le contexte actuel, celui évidemment des élections, que nous aurons à donner à ces jeunes, parce que demain, ce sont eux qui nous remplaceront, ce sont eux qui vont être le Congo de demain. Vous avez géré la jeunesse, est-ce que vous pensez que ça va être comme un temps par le pays? Bien sûr, tout ce que l'UDPS a dû récolter jusqu'au jour d'aujourd'hui est positif. Non seulement l'UDPS, même le pays, on les a eu par la jeunesse. Et démographiquement parlant, la jeunesse représente le 70% de la population. Je ne vois pas un responsable qui ne tient pas compte de la jeunesse. Directement, vous êtes voué à l'échec.
Donc on développera ce pays avec la jeunesse. Et au milieu de la jeunesse, dites-vous qu'il y a des valeurs. Nous avons géré des jeunes, mais on peut confirmer, Dieu de cette réduite, que l'IDPS révolte des jeunes qui ont des valeurs à mettre à la disposition de notre pays. On ne peut pas s'en passer. Souvent, quand le représentant faisait ses marches ici jusque par le peuple et ailleurs, il y avait toujours des mamans autour d'elle, particulièrement. Donc, c'est donc qu'il y a quatre candidats, il n'y a aucune femme. Alors, la question que. Quelle est la place là? Merci, heureusement que j'en ai trois petites questions. La première, quatre candidats hommes au mois de mars, le congrès se tient au mois de mars, au mois dédié à la femme. Pourquoi il n'y a pas de femmes? Est-ce qu'il n'y a pas des femmes compétentes au sein de l'UDPS? Deuxième petite question, le débat se tient dans la résidence de feu Étienne Tshisekedi de Rosemoire, alors que l'UDPS dispose d'un siège non loin d'ici. Pourquoi avoir accepté que ce débat ait lieu ici? Troisième question, je n'ai pas entendu dans votre programme une question relative au rapatriement de la dépouille. Quelle est la place qu'occupe le rapatriement de la dépouille du corps de Étienne Tshisekedi dans le programme de chaque candidat que vous êtes? Je m'en vais, cher conseil, répondre à deuxième question de la loi. Ça, c'est la première chose qui est passée. Vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes pour rien. On a pensé faire ça à la permanence. Malheureusement, à la permanence, on prépare les décors pour les congrès. Ça va être vraiment chantier. Voilà pourquoi nous sommes là. Je pourrais reformuler ma question parce que vous n'avez pas eu cet instant. Moi, qui symbolise finalement cet endroit pour vous? C'est ça ma question. Là, ils vont répondre. Commençons par David. La première question, c'était encore laquelle? La femme. La femme. La femme a toujours occupé une place de choix, que ce soit dans le programme ou qu'incarnait notre président. Et c'est resté comme tel, même pour nous aussi. Nous sommes en train de tout faire pour que cette femme-là comprenne, n'est-ce pas? Qu'au-delà de la conscientisation, au-delà de la promotion que nous sommes en train de faire par rapport à elle, elle doit se prendre en charge elle-même aussi et se faire valoriser. Les critères ont été mis à la place publique, l'appel à la candidature a été fait, mais s'il n'y a pas de femmes parmi nous, ce n'est pas parce que nous avons barré la route à la femme, c'est tout simplement parce que la femme elle-même ne s'est pas fait remarquer. Mais aussi, ça dit en passant qu'au sein de l'UDPS, il y a des femmes, il y a des brillantes femmes, mais qui ont peut-être pensé que ce n'était pas encore le moment. Elles ont préféré... Ça, je vous interromps, M. David, c'est extrêmement grave de dire que les femmes ont été au courant de rien, les femmes n'ont pas voulu. Que prévoit le statut par rapport aux femmes? Même la loi nous garantit 30%, même si ce n'est pas appliqué, on nous garantit 30%. Est-ce que c'est juste ce qu'on est en train de faire? Madame. Mais poussez-les, faites une discrimination positive, c'est incroyable, moi je suis frustré. Ah, mais ça, je suis choqué. Ça risque de sentir la dictature. Non, okay. Une discrimination positive, ça se fait. Prenez une femme remplacée par qui ou Félix. Je suis désolé. Ah, ma tête. Encore faudra-t-il qu'elle soit prête, la femme. Encore faudra-t-il qu'elle soit prête. Mais vous vous posez, ce n'est pas la question de la femme. Mais il y a aussi une autre question qui a été posée, celle de l'appartenance tribale. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on a vu, il y a quelques Lumba, patati, patata. Mais l'UDPS, c'est un parti implanté partout. L'appel à la candidature a été mis à la place publique. Les gens étaient libres de réagir. Vous n'allez pas craigner quelqu'un par le coup pour lui dire, venez, vous allez compétir avec nous. Et c'est pareil pour les femmes. Lorsque vous criez l'égalité, ce sont des femmes qui crient. Tout le jour, sur tout le toit, égalité, 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 égalité. Et nous, nous sommes aussi sûrs qu'il faut qu'il y ait cette égalité-là. C'est une des recommandations de l'intersocialiste. Promouvoir la femme, mais que la femme ne soit pas parmi nous. Ce n'est pas le fait que les hommes ont refusé, mais c'est vrai que cette femme ne s'est pas manifestée. Je vois que c'est ce que le collègue vient de dire. Vous devez comprendre d'abord, poser une candidature, c'est un acte de liberté. L'IDPS n'a pas été créé pour embrigader les gens par la force. Madame Véné, être candidat. Madame, ne soyez pas frustrée. L'UDPS est le plus grand parti. Je crois qu'il n'y a aucun parti qui ne dépasse un nombre de femmes.
Et si vous lisez nos statuts, vous voyez même nos structures. On a parlé de nos célébrités et de nos actuelles. Elle est brillante. Mais seulement, elle n'a pas jugé encore l'opportunité de poser sa candidature. C'est aussi au nom de sa liberté. Même aux États-Unis, on a vu Mme Clinton poser une candidature il n'y a pas longtemps. Mais il y a 20 ans, on ne voyait pas les candidats au sommet de l'État. Donc c'est quelque chose qui va venir avec l'État. Considérez que c'est un premier exercice, c'est que vous êtes en train de vivre à l'IFS aujourd'hui. Croyez-moi, madame, pour l'élection du prochain président dans 5 ans, il y aura des candidats de femmes. Je l'espère en tout cas, je vous le rappellerai. Et moi, je vous promets, parce que je vais maintenant battre campagne pour pousser aussi d'autres femmes à voter. Merci beaucoup. Ou alors, si jamais il est élu, il va nommer cette général tout le temps. Alors, ça me dérange pas. Oui, mais je crois que l'essentiel a été dit. Moi, si ça dépendait de moi, j'invite madame qui montre de venir adhérer à l'UDPS. Oui, mais oui, il y a des journalistes qui adhèrent dans des partis, c'est pas incompatible. Et d'ailleurs, nous savons que dans ce pays, le métier dans lequel les femmes excellent mieux, c'est le journalisme. Non, je crois que les collègues l'ont dit, il y a des femmes de valeur à l'UDPS. Il y a des femmes qui peuvent tenir ce débat ici. Le moment venu, je crois, nous inviterons les femmes d'autres partis sur des plateaux de télévision, de débattre avec les femmes de l'UDPS. Mais si elles estiment que le moment n'est pas encore opportun, nous prenons la liberté. La liberté, c'est la devise de l'UDPS. Liberté, égalité, solidarité. Donc, chacun est libre de postuler s'il estime que le moment est là. Merci. Je crois que c'est tout ce que je peux. Merci beaucoup. Oui. Nous allons enchaîner avec la question que c'est pour lui, c'est un droit. Oui. Madame, le problème des femmes est grand dans tout le pays, pas seulement en Libéria. Moi, je préfère une femme qui prend la liberté de dire non, je ne me sens pas prête de devenir candidate, qu'une femme qu'on va prendre de quelque part. Qu'on va faire danser le diabello, on va la présenter comme ça, comme objet d'art, et qui va finir dans le lit de celui qui l'a amené là. Ça, ce sont des méthodes qui n'existent pas à l'UDPS. Nous donnons le respect à la femme. Et d'ailleurs, vous êtes journaliste, je ne sais pas si vous êtes journaliste d'investigation, cherchez, renseignez-vous auprès des organismes, organisations internationales. Je pense à la NDI et à bien d'autres qui font des formations de femmes. Posez-leur la question de savoir quel est le rendement des femmes UDPS. À chaque fois que nos femmes ont été dans ces forums, elles ont toujours marqué l'opinion par leur passage. Donc c'est pour vous dire que nos femmes sont bien formées. Mais il ne faut pas oublier une chose. L'UDPS, comme on vous l'a dit ici, a toujours fait face à la violence. Quel est cet homme qui va accepter que sa femme prenne le risque d'aller dans des réunions de l'UDPS dont il sait qu'elles peuvent se terminer dans le sang. Et aujourd'hui, les femmes sont, Dieu merci, les principales pourvoyeuses de moyens dans les familles, dans les ménages. Les hommes sont au chômage. Ce sont les femmes qui sont là. Mais malgré ça, nos femmes sont héroïques. Malgré le fait qu'elles jouent ce rôle, elles trouvent encore le temps de venir à l'UDPS. Il ne faut pas trop leur demander non plus. Elles ont déjà cette tâche de chercher de l'argent pour la famille, des moyens, ensuite de participer aux réunions. Ne leur demandez pas de s'accaparer encore d'une responsabilité qu'elles ne pourront peut-être pas assumer. Laissons le temps au temps, ça viendra. C'est malheureusement encore dans notre culture, donc j'ai beaucoup aimé ce que mon ami Baou a dit, ça viendra. Laissons le temps faire les choses. En quelques secondes, quelques secondes, c'est un droit. Bon, moi, je suis très mal placé pour répondre à cette question. C'est une maison familiale déjà. C'est le siège symbolique du rassemblement. Et c'est la demeure du héros national, les au-delà d'être la résidence du fait président Michel Tshisekedi et au-delà aussi d'être le siège du rassemblement, c'est un lieu qui restera historique pour nous.
et un lieu qui va nous rappeler beaucoup de souvenirs. Nous aider ou qui nous poussera à démontrer à la face du monde que vous voyez cette parcelle-là, bien que officiellement il n'y avait pas un pouvoir présidentiel, mais nous avons vécu des actes comme si on était dans un palais présidentiel. C'est un lieu hyper significatif. Oui, c'est un lieu de beaucoup de souvenirs. Parce que vous avez évoqué juillet 91, le 22 juillet. Moi, j'étais parmi les jeunes qui étaient venus faire président et refuser d'être le premier ministre. Deux ans après, je commence à entrer dans cette parcelle. Et c'est là où on se mettait avec le président, tantôt de l'autre côté, tantôt là-bas, tantôt ici. Et j'ai fait 6 ans où je venais chaque soir de 20h à minuit pour apprendre le premier ministre. Imaginez la manipulation. Nous, on fallait être là aussi. Bon, moi, je sais qu'il y avait des manipulations. Vous comprenez ça? Ouais, bon, pour moi, cet endroit, c'est un endroit mythique. Ouais, il m'est arrivé plusieurs fois de changer avec le président Tshisekedi. Dans cet endroit, il m'est arrivé deux fois, je le regarde et je dis, ah! Était envoyé. Vous comprenez? Donc il y a beaucoup de souvenirs et je crois que pour nous, ça restera à jamais le temple de la démocratie. Parce que je crois que la démocratie dans ce pays est née ici. Bon, alors Paul, à propos du rapprochement de la démocratie. Oui, mais je crois que si cela ne dépendait que de lui, je crois que le président serait déjà rapatrié. Il aurait dû avoir déjà les honneurs de son rang. Malheureusement, c'est le régime dictatorial de Kabila qui empêche que la dépouille de notre héros puisse être repartie. C'est difficile à se prononcer parce que ça ne dépend pas de l'adversaire est très mauvais foi, parce que ça, c'est que j'en ai dit en Afrique. Plus d'une année après, on n'a pas encore enterré notre papa. C'est même difficile à en parler parce que je me dis dans 20-30 ans, lorsque les jeunes vont lire cette histoire, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Nous étions au présent, nous l'avons approuvé, alors que ça ne dépend pas du monde. Il y a une mauvaise foi manifeste. Je doute même qu'on a affaire aux vrais Américains parmi les gens qui sont à la base de ces vrais bandits, aux vrais têtes de bazar à l'immigration. David, même émotion avec. On a eu le balikambo, on a eu la porte vraiment bien. Mais bien que vous serez allé chez moi, arrêtez-nous. Mais à moi, vous en avez tenu les articles. Parce que, quand on entend qu'on voit que nous pas encore le gars qui a parlé présidentiel. Et les alliés africains, les alliés africains, on a monté à Zomi Benga. Muntu, pas zone bien africain, Kosepela, Kotika. Nous autres, la Oyo, à Sali Moussala, Moro, Muntu, Moro, Tassala, la Congo, Babotanga, Roma, Batutu, Matin, Bandit, Batanga, Bakou, Kigabani, Batanga, Rwana. Je vous livrerai Congo, Oyo, et Congo, il y a au thème, il y a des actes. Mais, et l'autre, va zone Sala, il va rattraper par nous. Parce que ce que ça va faire, il y a Julien Pes. Mais toujours, on aura mémoire et après ça, on a dit choc. Mais ceux qui ont résisté, c'est la pauvre Bando qui va l'équipe. Mais question dans la zone du tout, est-ce que c'est seulement le fait du pouvoir en place où il y a une complicité, même à niveau international? Parce que la zone comprend de dire qu'il y a-t-il une implication à Bande Moussou pour que Bappé sa respect dans notre il y a le président Nabisso, tout Bati Kayango Dengo. On a l'endemain, Maman Marx. Pour les chaînes étrangères, mais dans le tournant, on dit que nous sommes en train de faire des choses, on dit que nous épargnons au candidat de cette question. Alors nous sommes à la fin. Avant de chanter l'hymne du BPS, vous quatre, nous vous demandons expressément
de parler aux délégués du Congrès. Si vous êtes que tous ces membres sont des délégués, alors vous parlez en une des langues nationales, à part le Tchiluba. Vous quatre. 30 secondes. J'ai l'impression que vous n'avez pas compris ce qu'on voulait. Nous ne minimisons rien. Nous voulons simplement que ceux qui vous regardent sachent qu'au-delà, parce qu'on a déjà eu des critiques, mais vous êtes réellement congolais. Ne fût-ce qu'une langue nationale. Voilà. Nous commençons par Paul. Non, là, je suis blessé. Ah, nous commençons par vous. Voilà. D'accord. Non, mais comment on s'entend d'ailleurs du sous. Alors que. Mais lors du dernier tour, je n'ai pas parlé. Il n'a pas parlé, vous. 30 secondes, puis on va terminer. Voilà. Non, Ngaï, Naza, Kosenga. Parce que la canisse que la bisomine à la Zali, la Zali pour incarner parfaitement, c'est peut-être qu'on dit, mais le point à ça pour incarner le plus possible continuité et Étienne Tshisekedi et sa dingue. Pourquoi la longolie argument biologique. Donc, on a un argument politique. Ngaï n'a pas dit une épaisse au lieu tant que bandage. C'est-à-dire, une épaisse, c'est pas le roi moins. Ngaï n'a pas dit que le roi moins, il n'a 19 ans. N'a souffrir qu'on a eu des épaisses. Tant que Bazanaki, comme même leader, n'a pas dit que le roi moins, n'a pas dit que le roi moins. Na futa na makila na ngai bitumba oyo esalema yango na kenda poto ce n'est que 5 ans après et bande la bitumba parce que bitumba to bandaka yango na UTPS université UTPS esalema na 82 mais biso pasi et banda depuis 80 2 ans avant faire la UTPS nous étions déjà dans le combat. Voilà pourquoi je dis combat oyo. Et Kotanga Tina Mkua, Tina Makila, jamais je ne pourrais trahir. Parce que j'ai donné la Pessa Makila Nangai pour la Kumbaoui. Donc, ensuite, la vie, expérience, mon aîné, la diplomatie, Oyo, Nazali, la responsabilité depuis 2008. Ça fait presque 10 ans que Nazali diplomate, il n'y a pas. Je pense. Que bon monde a la réalisation d'un héros. Avant Ngaï, jamais un secrétaire national aux relations extérieures n'avait rencontré des chefs d'État en fonction et qui plus est africains. Parce que là, j'en ai pas une opposition. Mais moi, j'ai été celui qui a mené cette diplomatie au Yo, parce qu'on est venu à ma porte, il y a ma palais présidentiel, la commission message à l'UDPS. Nazali, au Yo, à sa diplomatie économique, c'est-à-dire comment on a un grand bailleur de fonds, comment on a une grande firme qui est intéressée par nous sur le Congo, pour investir dans le Congo, pour payer sa bisomissal. Je suis de ce combat-là. Voilà pourquoi je dis Ngaï, Nazali, Oyo, Nazali le mieux placé pour représenter l'intérêt de la ville. Parce que Nazali Kobunda la unité dans la diapart. Nazali Kobunda, organisation et bonga, et ça la bien dans la diapart. Nazali peut viser conquête et à pouvoir. Pouvoir au bifeu de fesses au besoin. Et vous allez pouvoir, il y a peuple. Il y a moi dans la bandi, confiance dans Bino, ce qui est fait ça n'est pas dans Gaï, n'a pas qu'il y ait des dans la partie Oyo, n'a pas commissaire. Et donc, on va venir et c'est moi. Dans le thème, il y a pas congolais, une réalité. Merci. Merci. Ngaï d'abord. Il y a un engagement.
que na bimi président ya parti na bozongi saye na faire étranger c'est la moni aye tozali di sanga idepe sezali di sanga yo moko bo gérer nyoso te na ye mi nazo reconnaître ba mérite na ye ya ona lobi na gouvernement na lokola sa fomoli bikuke bele na bozongi saye kula mais ngai na lobi boye ba animateur ya base ya parti temple oyo ero na biso atikeli biso ekokoma lupango lisusu ya mutu te bakofungula ba porte wana parce que ezali héritage ya bana nyonso ya UDPS tokozonga bovote ngai omoni ntango batuni mamwa mbongo ya bango nyonso bale munoko. Je suis le seul capable de me faire un million. Na compte ya IDP. Et ça, démagogie. Na zoye qui s'appelle nos vérités. Bon voter ngai parce que ba onyo so ba sala ka musala à temps plein. Na IDP, ba kozwa salaire. Parce que na yebi ke, tous allez capable ya mobiliser mongo na base na biso. Et puis tous allez capable parce que tous allez justice sociale. Redistribution. Donc, on a la frustration, on a sa valeur, on a cadre de base pour monter la salle et la merci beaucoup. Merci. 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 Bon parcours, n'angai. Moto a yebi passe à combattre, dans la valeur à combattre.